Nous avons rencontré Bill quand il était au Metropolitan Opera et il était le chef d'orchestre de L'Île Enchantée, qui est une production que nous avons, mon époux et moi, que nous avons appuyée. Et nous avons rencontré Bill comme ça un soir et il nous a parlé de sa vision et on a compris vraiment la passion qui l'animait, sa simplicité, sa gentillesse. Et aussi son désir de faire partager son amour de la musique baroque en toute simplicité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des spécialistes, ni David ni moi, et c'était pas un problème. On n'avait pas à lui dire ce qu'on avait déjà vu et de si on connaissait les chanteurs, etc. Il était en toute simplicité très gentil avec nous, il nous expliquait, il a partagé sa passion, son amour de la musique baroque, alors ça nous a engagés et depuis quelques années, donc on le suit, on travaille avec lui pour appuyer ce qu'il fait.